Eh bien, bonjour à tous et à tous, et c'est Blitz, et on se retrouve pour un... Oula, pourquoi je bouge plus? Ah, voilà. Et on se retrouve pour un quatrième épisode sur Final Fantasy IV. Et donc, commençons par un combat. Donc, je tiens à m'excuser pour ça recommence. Donc je tiens à m'excuser pour l'épisode 3 qui était niveau casse vraiment catastrophique au niveau du son. J'ai trouvé une méthode que font à peu près tous les youtubeurs et j'espère que ça a marché. Alors donc nous allons poursuivre notre but sur le mont Colts qui se trouve à l'est de Damcyan. Donc ce qui veut dire que nous allons reprendre notre aéronef en fait. J'ai cru qu'il fallait tout traverser à pied mais non, on a notre aéronef. Et ça bug toujours, ça va m'énerver. Comment tu fais? Ok, m'énerve déjà. Voilà. Ah oui, c'est vachement plus rapide. Hein. Hop, hop. Peut-être nous aurions dû dormir à l'aube. Non, pas peine. Hop, on passe à travers les petites roches. Et nous sommes arrivés. On peut pas passer, non? Ah, on peut pas tricher, dommage. Bon, on va devoir donc monter cette montagne à pied. On va sauvegarder là. Donc vous aurez pu constater que Ridia a monté un niveau, oui. C'est le cas. Passe quelque chose. Oh, Ridia, peux-tu essayer de lancer feu? Oui, c'est vrai qu'elle a pas le sort feu, et oui. Qu'y a-t-il? Essaye, je sais que tu en es capable. Non. Je déteste le feu. Son village a été détruit par un incendie, et... Ah. Ridia, tu es la seule personne qui puisse faire fondre la glace. Mais arrête de l'embêter, toi. Elle n'a pas envie. Nous devrions à tout prix avertir Fabule du danger. Je t'en prie, Ridia. Arrête de faire bugger le son. Ridia. Tu m'as aidé, tu as aidé Abyss et tu as aidé Rosa. Nous avons encore besoin de ta force et de ton courage afin d'aider les habitants de Fabule. Ah. Feu! Oh, oula. D'accord. Ah, Ridia apprend le sort feu. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ah, oh, j'adore cette musique. Ridia, c'était merveilleux. Je savais que tu en étais capable. Merci Ridia. Ah, nous sommes donc partis. Oula. Fuyons. Non, fuyons. Voilà comme ça, fuyons. Non, il va mourir. Ah bah c'est caché. Bon, fuis pas en fait. Hop. Ah c'est bête, t'as pris feu mais il y a des monstres de glace. Comment tu... Ah mais il est caché. Oh d'accord. En fait il est vraiment caché l'autre. Voilà. On va se soigner. Ah oui, c'est vrai que t'as soin, toi. Complètement oublié. Objet. Voilà. Allez, Edward, sois fort. Pour une fois. Oh oh. Rosa! Oh, ça va. Tu vas pas être si nul. J'ai l'impression que c'est pas très net dans le jeu. Après, vous me direz vous. Ça bug encore. C'est quand même énervé. Pourquoi le combat il bug? Oh non, c'est horrible. Ça, c'est de la foudre qu'il faut faire. Ah, Rosa, sa tenue est vachement perturbante. Avec son
C'est une espèce de machin rose là. C'est génial. Alors. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a là? Elle va pas bien, Rosa là. Vas-y, bug, je te dirai rien. Attendez, je vous reprends quand ça a arrêté de bugger. Et nous revoilà. Enfin, je l'espère que ça m'a arrêté. Donc, nous avions Rosa. Qui était vraiment pas bien. Il me semble que c'est ça pour la soigner. Et oui, c'était ça. Oh, donc nous... Ouh. Magnifique vue, hein. Admirer le paysage de Final Fantasy 4. Bref. Je sais pas, on sauvegarde. Oui, on sauvegarde. Allez. Voilà. Oh, on a 6999, Gilles. Même pas 7000. Bah, du coup, c'est tout. On va ouvrir ça. Une tente. C'est quoi ça? D'accord. Une potion. Une épingle d'or. Et. Ah, nos, les Gilles qui nous manquaient. Continue. Ah, c'est bien, une belle transition de combat. Ça craint la lumière. J'ai pas sort de lumière. Allez, projectile. Ah. Bon, Rosa, tu vas servir à quelque chose. Alors, objet, hop, hop. Bon, tue-moi ça. Heureusement, j'ai dit de le tuer. Et Rosa, pourquoi elle agit pas? Elle fait rien, la Rosa. Ah bah... Rosa, ça sert à rien. Oh. Ah, des flèches sacrées. Ah, c'est peut-être ça la lumière. Bon, non. On va économiser nos flèches. Oh. Que se passe-t-il? Oh oh. Cette tenue, c'est un des moines de Faboule. Ya. Yeah. Poum. Poum. Ya. Yeah. Ah. Oula, tu vas un petit peu vite là. Ok. D'accord. Malédiction, un bonbon, aidons-le. Maman Bobo. Ah, elle est dans notre équipe. Allez, un boss. Ah, mais c'est un boss. Bah oui, c'est un boss, la musique de boss. On va faire lenteur. Et notre chocobo. Endurance, Toldiberry. En fait, il s'appelle comment? Yang, c'est Yang. Mince, j'ai pas regardé combien Chocobo a fait de dégâts. Bon, on va lancer glace, a priori ça devrait être fort. On va se soigner aussi, on va se soigner. Qui c'est qui a besoin de soigner? Tout le monde. Voilà. Hop, taquet. Parce que normalement des boss comme ça on a déjà battu, mais c'est bizarre. Enfin des boss, des monstres comme ça. Bon, j'ai pas non plus regardé les gars de glace. Bon, on va se concentrer. Méditation 60. Attaque énergie pour deux fois puissante. Ok, ça marche. Donc 60 pour la glace. Oh là là, j'ai trop de personnages, c'est trop bizarre. J'arrive plus à me concentrer. Et donc c'est ok, c'est nous qui faisons le plus mal. Oh, oh. Oula. Ah carrément.
Et donc, on vérifie. 63 à glace et... Et combien pour Chocobo? 220. Ok, Chocobo. ouais, non. Toi, tu continues de soigner tout le monde. Toi, il fait méditation. Il est pas très beau, Yang. Il a des vêtements sympas, mais... Enfin, des vêtements. Ceux du bas, ils sont sympas, mais sinon, il est pas très beau. Hein. Seul personnage sur la classe, c'est Edward, moi. Enfin, en fait, c'est tout le monde, sauf... Bah, sauf Yang. Bon, ce boss, il est un petit peu chiant et je sens mal. Parce qu'il résiste pas mal. Hein. Rappelle qu'on a 5 personnages et qu'on on tape assez fort. Ouais. Hein, voilà. Ouais, non, arrête d'attaquer en fait, ça sert à rien. C'est pour faire des trucs nuls. Ah, on a regardé combien il reste de points de vie. Eh oui. Parce que un combat là, c'est un petit peu long le combat. Qu'est-ce qu'il fait mon ordinateur? Ça va exploser? Quoi? Oh, ça va exploser comment quoi? Bah déjà toi vas-y fais ça sinon tu vas mourir. T'as moins de points de vie que la fille donc voilà, t'es bon, t'es caché. Elle a plus de points de magie là, gamine. Non, ne reviens pas, tu vas mourir. 300 PV l'autre. Punaise. En fait, je soigne n'importe comment. Ouais, tu sers plus à rien en fait maintenant. Pourtant, on l'aime bien, Ridja, mais voilà. Elle est plus très utile. Reste là, toi. Explosion, oh oh. Ouch. Oula. Bon, ça va, hein. Tranquille, l'autre. Reste là-bas, toi. Hein. Hop, on soigne un petit peu tout le monde. Et c'est reparti. Oh, vas-y, ça devait attaquer ton Ghiberi, là, ça a l'air marrant. Parce que ce que j'ai pu lire, ça attaque tout le monde, donc c'est un petit peu le moment de l'essayer. Non, 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 non. Oh non, mais Edward. Oh oh. Oh oh. Ouh là là, qu'est-ce qui vient de se passer en 2 secondes? Obscurité là, on va, ouais. Reviens. Position. Schnell, 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 on va mourir. Non, j'ai pas envie de perdre ce combat. Ah, oh, oh. Non, Ridja. Voilà. Bah, c'était notre copine. Et on va taper le dernier qui nous reste. Voilà, on a réussi, les amis. On a réussi. Ouh, c'était chaud à la fin. Vie ou vie. Bonjour. Je vous remercie, je m'appelle Yang, quand je savais déjà. Je suis un moine de Fabu, je sais rien. Je suis venu ici m'entraîner avec mes disciples, mais nous avons été attaqués par une horde de monstres. Je suis le seul à avoir survécu. Mes disciples étaient de braves hommes, mais ils n'ont eu aucune chance. Faboul, c'est notre destination justement. Un homme appelé Golbez a pris le contrôle de Baron et utilise son armée pour s'emparer des cristaux. Ah, et vous croyez qu'il va aussi tenter de récupérer le cristal du vent de Faboul? En effet, il a récemment dérobé le cristal de Dame Sian. Et mes disciples ont tous péri. Le château est sans défense. Les quelques moines qui sont restés affamés ne sont que des novices. Attaquez. Si Baron attaque maintenant, nous sommes perdus. Les monstres qui vous ont attaqué ont probablement été envoyés par Golbez. Vous ferez peut-être sauter péché là. Schnell, Schnell. Pour nous éliminer et laisser Faboul incapable de repousser leur assaut. Si tout cela est vrai, il pourrait en ce moment même se préparer à attaquer. Dépêchons-nous. Nous vous aiderons du mieux que nous pouvons. On va aller dépêcher. Votre offre est généreuse, mais je refuse de vous entraîner dans un conflit qui n'est pas le vôtre. La situation nous concerne tous. Je suis le prince de Dame Sian. Rosa et moi sommes des citoyens de Baron.
Et cet enfant a tout perdu parce que j'ai laissé l'ennemi me tromper. Ah. Laissez-moi humblement accepter votre aide. Oui, bon, c'est bon. Venez, il n'y a pas une seconde à perdre. Mais arrêtez de parler! Ah, le Magnan se joint à l'équipe. Ça, c'est bien. Bon, voilà. On se dépêche. Voilà. Ouh là là, on a du monde à soigner. Bon, le son bug, c'est même pas en combat cette fois. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Et voilà, c'est bon, on va laisser faire. Nous en sommes à peu près 16 minutes de film. Enfin, de jeu. Elle fait mal, l'autre, notre copine. Voilà. Oh. Ok. D'accord, j'ai découvert un bouton. Il me fait pas. Oh, il fait beau, il y a du vent. You. Oh, attendez. Voilà. C'est mieux là. Allez, dépêchez-vous. On a un royaume à sauver. À tous les coups, on n'aura même pas le temps de le sauver avant la fin de l'épisode. Non, mais on n'aura même pas le temps de le sauver avant la fin de l'épisode du tout, là. Je peux abuser. Bon, on ira jusqu'à la fabule. Et on verra ce qui se passe. On improvisera. Allez, on se dépêche. Mais elle fait vraiment mal, notre copine. Ah, on a monté un niveau. Avec notre copine. Blitz. Et Rita. Enfin, notre vraie copine, c'est cette Rosa, mais pour nous, c'est Rita. Faudrait rien lui dire. Hein. Mettez pas dans les commentaires la trahison. Ce serait méchant. De votre part. Pour moi. Et elle. Alors. Voilà. Oh, bouclier. Ça, ça a l'air bien. À mon avis, ça augmente la défense, donc c'est un bouclier. Oh, notre héros. Oh, oh bah zut. On va sauvegarder là. On va enlever ça. Ça m'énerve. Je sais pas depuis quand ça y est, mais à tous les coups, ça fait longtemps que ça y est. Et du coup, ça vous aura gâché. Oh, excusez-moi pour la souris. Voilà, elle vient, elle fait un tour pendant le combat. Et là, ça va. On prend cher. Fuyez. Voilà. Bon, c'est où Fabule? Fabule, c'est haut ou c'est en bas? Allez, on va dire en bas. Parce qu'il y a des arbres. Et nous, on aime les arbres. Non, Rosa! Bon, on s'en fout. On veut plus faire de combat, on fuit. Comme des tarés dangereux. En fait, on va pas fuir. On va se faire l'XP sans elle. Ouch. Allez, 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 on se dépêche. Voilà. On n'a plus de point de magie nulle part. Génial. Et ça bug. Comme d'habitude, on aime quand ça bug de toute façon. Oh là 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 là.
Oh, Yang! Ah bah Yang, t'es toujours moche, donc on va pas te soigner. Mais oui, voilà. Voilà, on te laisse comme par terre, comme une petite chose. Sans respect. Du matériel. Ouh, c'est quoi ça? Oh! Ça va être faboule. Et donc nous voilà à Faboule les amis. On va... Ouf. Bonjour. Vous avez été vaincu? Impossible. Ok d'accord. Voilà. J'aime bien la musique. Ouais, on va aller dormir. À 5 dans un lit. Voilà. On aime bien dormir à 5 dans un lit. Ça nous détend. Bref. Allons-y. On n'a pas de ça. Mais en fait, on va pas acheter là-dedans. Arsenal armuré. Alors. D'accord. Pourquoi ils vendent des trucs démoniaques? On va tout acheter, hein. On va pas s'embêter. On était déjà assez fort comme ça, sans qu'on en rajoute. Oula! Ah, mais Yang, il est que niveau 11! Oula, mais il est nul! Mais mon dieu, que c'est moche! Donc nous avons le moins d'esprit. Bon lui il a moins de magie forcément. Ça a l'air un moine donc c'est que du muscle. Ouais il est nul. Il est lent comme pas possible. Ouais il a la meilleure défense hein. En attendant. Et donc voyons voir. Endurance fortifiée, ses défenses et diminuer les dégâts accrus. Reçu. C'est plus logique quand j'y repense. Ok. Salle du trône. Oh. Yang, vous voilà enfin. Votre majesté, nous devons nous préparer. Baron va attaquer notre majesté pour s'emparer de notre cristal. Comment le savez-vous? Voici deux citoyens de Baron. Ils sont venus vous avertir. Et les autres? Votre majesté, le temps presse. Nous devons renforcer immédiatement la défense du château. Ils ont risqué leur vie pour m'aider. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous en supplie. C'est un honneur de vous revoir, votre majesté. Prince Edward? Sire, la flotte de Baron a bombardé Damsillan et volé notre cristal. Mes parents et Anna, ma bien-aimée, ont péri lors de cette attaque. Je vous en supplie, ne laissez pas la même chose arriver à Faboule. Je suis désolé d'avoir douté de la gravité de la situation. Yang, mobilisez les troupes. Prince Edward, et vous aussi, Chevalier Noir, aiderez-vous Faboule? La suite, au prochain épisode.